J'étais en retard en fait à Pôle emploi, du coup j'ai couru un petit peu. On attend un petit peu, on dit bonjour à tout le monde, on prend le temps, c'est l'épisode 1. Ce soir on va choisir le club, on va tourner la roue les amis. Début modeste sans diplôme, d'accord? Commencement dans un club 05 sans diplôme, obligatoirement. Représentation de plus de 210 pays, alors il y a des pays qui sont pas, je sais plus comment on appelle ça, des pays genre le Vatican, Groenland, etc. qui sont pas considérés comme des pays, mais c'est jouable. Donc il y a plus de 210 pays. Donc exigence des dirigeants, impératif de répondre aux demandes des dirigeants du club, performance annuelle, nécessité de surpasser les performances de l'année précédente. C'est-à-dire que chaque saison, il faudra faire mieux, sinon on sera obligé de partir. Réputation équivalente, pour postuler dans un nouveau club, maintien d'une réputation équivalente avec une marge de 0,5 étoiles. Si on a 3 de réputation, on peut partir à 3,5 maximum, postuler à 3,5 maximum, d'accord? La règle est simple, 215 pays, vous l'aurez compris, on va pas mettre les 215, sinon le PC va parler chinois. On tire 10 pays, et tous les mois de décembre, tous les 1er décembre, on retire 10 pays qu'on remplace par ceux actuellement. Il y aura Maël Le Bonnet. Il y aura Maël Le Bonnet qui va commencer dans mon club de départ. Et dans 4 ans, il y aura le deuxième fiston qui commencera dans le club où je serai dans 4 ans. D'accord? Sur un potentiel évolutif, bien sûr. Et c'est parti, mes petits frangiavo! Oh, attendez, on va remettre là plus vite. La Slovénie! Oman! Merde. C'est le Zbavel. Le Botswana. Merde. L'Iran. Les Émirats Arabes Unis. Le Mali. Oh, le Mali, incroyable. La Dominique. Le Salvador. Putain. L'Équateur. Donc là, c'est le dernier pays, hein. Wally, c'est Futuna, putain, mais quel enfoiré. Merci pour l'abonnement, mais surtout... Du coup, Slovénie, 3 divisions, Botswana, 2. Oh, l'Iran, il y a 4 divisions, hein. Le Mali, il y en a 2. 3, ici. Sans diplôme, hein, bien sûr. Footballeur du dimanche. On va quand même mettre motivateur. On peut changer ça, bien sûr, bien sûr. Voilà, on veut quand même... On cherche à motiver les mecs, avant toute chose. Sécurité de l'emploi, les amis. Est-ce qu'il y a des clubs? Une demi-étoile. C'est une demi-étoile. Hein. Ah, AS Performance, boum. Équateur, j'ai l'impression que Équateur, il n'y a pas une demi. Hein. Équateur, on peut pas partir en Équateur, déjà. En Équateur, on peut pas aller, c'est une étoile minimum. Équateur, il n'y a pas. Ensuite, Slovénie... Ça, c'est Salvador. Salvador, il y a Botswana. Botswana, il n'y a pas. Ouais, je trie les pays. Si Botswana, il y a. Botswana, il y a. Ah ouais, Émirats Arabes Unis, deuxième div, bien vu, frérot. Fleetwood. Oh, il y a un Fleetwood United, les amis. 60 000, incroyable. Mali, il y a. Oma, il y avait Oma ou pas? Oma, il y a. Malia, Slovénia, et c'est bon. Il y a tout en fait sauf. Il y a tout sauf l'Équateur. Il y aura un petit sondage, parce que comme ça, vous allez choisir 3 pays. Après, on va choisir 3 clubs. On pourra aider les clubs un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien, c'est les noms. Moi, déjà, faut qu'il y ait le logo. Moi, j'aime bien quand il y a le logo, tu vois. S'il n'y a pas le logo, je suis pas trop content. Wally, c'est Futuna. Hein. Oh, il y a 3. Attendez, Wally. Non, mais c'est quoi les bails? Oh, c'est une blague. Oh, Wally si Futuna, les amis, regardez ce championnat. Ça, c'est un championnat, tu colles. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Ça peut aller très très vite pour monter en réputation. Ensuite, il y a des clubs aux Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas de logo. Il y a Précision. Il y a un logo. Précision Football. Incroyable. Il y a 10 clubs. En vrai, Wally si Futuna, c'est français, donc c'est RP. T'es parti dans les îles pour débuter ta carrière. Ouais, bien sûr. Après, c'est vous qui choisissez, hein. Il faut commencer dans un club amateur, les œufs. Semi-professionnel, ça marche pas, hein. Donc faudra regarder ça aussi, hein. Donc il y a des clubs amateurs, il y a Bamako. Avec des... Oh, on dirait le RC Lens, là, les amis. Incroyable. Centre Fatoumata Koulibaly. Troisième div, est-ce que c'est amateur, ça? Semi-pro. Semi-pro.
Bon, bah, Slovénie, y a que semi-pro, les refs. Il y a pas, visiblement. Faut pas oublier qu'à l'exception d'Aragvi, Tony est à son prime sur le continent africain, c'est vrai. Il y a Francis. Oh, Francis Stone. Oh, c'est pas une dinguerie. Francis Stone City. Mais qui fait ça? Du coup, c'est Botswana, Mali. Et c'est quoi le troisième? Ah, c'est Wallis et Futuna. Wallis, c'est bon. Wallis, ils sont là. Des clubs amateurs. On valide Mali, Wallis pour le troisième. Prend le temps de tout regarder, ouais. Alors, Salvador, c'est mort. Botswana, il y a des clubs. Ouais, Botswana, c'est bon. Botswana, c'est bon. Dominique, c'est bon, hein, je pense. Hein. Déjà, s'il y a le Botswana, ça sera Francis Stone. Après, Wallis Futuna, vous décidez. Et Mali, vous décidez. On... Tac, tac, on descend un petit peu. Il y a le CFC. Avec le maillot de... Ah, mais semi-professionnel, on peut pas les prendre. Donc là, c'est mort. Donc pour l'instant, ça serait le Kinky FC. Commune, ça, y a pas, y a pas. Là, y a la AS Moriba Bougou. Amateur. L'association sportive Moriba Bougou. 358 follow. 358 follow. C'est important de voir les follow aussi. Hein. Ah oui, bien vu. AS Salmami, amateur. 69 follow. Ah, ça, ouais, d'accord. Ah, par contre, il y a le FC Bamako, là. FC Bamako, 241 follow. Hello, Franjo, excité par cette carrière de vie qui débute. Ça va, mon petit Franjo? Office du Niger. Amateur. L'Office du Niger, les amis. Leur logo, on dirait une affiche pour les présidentielles. Je te jure, mais moi, même ces logos, frère. Il y a une tomate, il y a un oignon. 718 follow. Ah, celui-là, là. Ah, il y a celui-là, ouais. Putain, mais non, mais c'est quoi ce logo, frère? Il y a Association Sportive Moriba Bougou. Incroyable, c'est ici. Ah, c'est à côté de Bamako. Stade Mamadou Diarra. Ah, ouais. Incroyable. J'ai envie d'être perdu dans la savane. C'est pas une cabane, le logo, c'est une maison atypique de la tribu de Dogon. D'accord. Donc, il y a Kouligoro Bamako, pour l'instant. Si tu peux pas postuler, c'est qu'ils ont fait des candidatures. On se déclare au poste quand même ou pas? Regarde le staff. Allez, super. Ensuite, on part du côté du Mali. Du Botswana. Botswana, bah écoutez, ça va être simple. Hein. Francis. Ça me sume. Francis Stone. Francis Stone. Putain, mais c'est une vraie ville en plus. Je connaissais même pas. Oh. Putain, on apprend tellement de trucs en fait. Botswana. Ah, c'est une bonne ville, hein, quand même. Hein. C'est une bonne ville, hein, Francis Town. Il sait. On va à Wallis ou Futuna. 16 follow. 16 follow. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes clubs. Sachant qu'il y a des Français, il y a Benoît, là, qui est Français. Allez, là, on doit simuler. On avance jusqu'au 1er août. S'il n'y a pas de réponse, on est reparti pour postuler, cette fois-ci, à un seul club. Et c'est parti! Putain, on va terminer à Futuna, frérot. Ah putain, Francis Stone, on trouve un coach. Les trois ont pris un entraîneur, oh putain. Allez, c'est parti. Il y a Wallis et Bamako pour l'instant. Bamako, Bamako, putain, je m'embrouille. Même un championnat à trois clubs, on se fait rejeter. Je te jure, c'est une dinguerie. Ça commence bien, Globetrotter. On avait commencé où? On était en Guadeloupe, hein, le premier l'année dernière. En vrai, postule à tous les clubs amateurs avec un logo, je te jure, c'est ce qu'on va faire, je pense. Je pense que c'est le mieux, en fait, le départ. C'est ça, le mieux. Dès qu'il y a un club amateur logo, on postule. Hein, on fait ça, et puis c'est le destin. C'est le destin qui nous guide. Je sais pas pourquoi ça sera comme ça, dorénavant. Au début, on fait comme ça, on balance les bails. Ouais, on fait comme ça, Géofin. On va trouver, comme d'hab, un club éclaté de vie, mais on s'en fout, car l'aventure va commencer. C'est sûr que c'est pas bon de postuler pour la répute, mais en même temps, on a pas le choix. Ouais, en même temps, on a pas trop le choix. Hein. On avance, et puis, dès qu'il y a des clubs de dispo, on postule. Hein. On postule à tous les postes, et puis on prend le premier. Hein. Puis là, tu simules jusqu'au 1er novembre, et si t'as pas d'offre, on retourne la roue. Je te jure. Les entraîneurs nommés partent souvent d'un club et laissent la place vacante d'un club amateur. Regarde encore. De toute façon, personne nouveau, donc qu'on demande à 3 clubs ou 4 clubs... Est-ce que ça change quelque chose?
Rejeté, yard. Non mais je me rappelle, l'année dernière on avait galéré aussi, c'est normal. On est entraîneur du dimanche, on n'a pas de répute. Parce qu'en fait dans la base de données il y a 215 pays, mais on met pas les 215, sinon l'ordinateur il va exploser, tu vois. Donc on a fait un système de roues pour remplacer les 10 pays actuels. La roue va arriver à grands pas. Le bonnet espère des offres à l'étranger. Déjà on a mis postuler à tous les clubs, il y a des offres. J'étais maçon avant, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi on peut pas prendre ce micro? Parce que on commence dans le foot, frérot. On commence dans le foot. On n'a pas de diplôme, on est là. J'étais dans la maçonnerie. Du jour au lendemain, j'ai envie d'être entraîneur. C'est club amateur. Surtout que dans un club semi-pro, t'auras un salaire. Alors que nous, le RP veut que t'aies pas de salaire, quoi. T'es amateur, tu galères. Je vous rappelle que là, on va être dans un club. Et chaque saison, faudra faire mieux. Sinon, on sera obligé de partir. L'objectif principal de la série de la base est de gagner avec des champions, oui, exactement. Ah, entretien les amis. Barque Jadid. Ou une demi-étoile semi-professionnelle. L'Iran, ça arrive là, ça arrive fort. On est ensemble pendant une heure encore, regardez. Chardari. Refusé, il reste 8 jours. United Sport, amateur, une demi-étoile. Allez, on postule là. On pose candidature. On est obligé. Dubaï. Putain, on est à Dubaï, The B. Oh, on est à Dubaï, les amis. Il y a un club, Lava United. Donc là, c'est bon, on peut postuler. Triglav propose un entretien. On refuse. Independiente. On refuse. Vandaval. Une étoile, on refuse. Salvador, ça commence. Vous sentez là le Wallis et Gromit là? Non, VTM FC. Une étoile. Botswana. On refuse. Semi-professionnel. Refusé. Mise à jour. Personne. On continue. Laval United. Laval United, les amis. Laval, ils sont 12e. Ouais, on a trouvé le logo tout à l'heure de Laval, ouais. Mais de eux, là. P-Sport. Est-ce qu'il y en a un qui peut rader vite fait? Pouvez-vous nous assurer que vous seriez mieux à même de maintenir une bonne atmosphère dans le vestiaire du club, bien sûr? Je suis un motivateur, j'adopte toujours une attitude positive, ça c'est vrai, ça. Et maintenant, on avance, on a un mois, on a jusqu'au 23 janvier pour avoir un retour. Appelez-moi Mohamed Le Bonnet. Être compétitif en Emirat Cup? Oh mais on a été éliminé, non? Non, on s'est fait éliminer. Il faut obtenir le maintien. Si jamais on se maintient pas, on sera obligé de partir du club. La carte Globetrotter, c'est ça. Il faut à tout prix faire la vision. Sinon on part. Du coup on va faire comme ça, on va faire le fils tout de suite. On va se mettre chez les U21. On va tirer au sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre 1 et 14. Quatrième. Donc mon fils les amis, ça sera 1, 2, 3, 4, ça sera lui. 21, 39. Par contre là on met 15. Parce que c'est un potentiel évolutif, 15. Ambition 15. Maël Halbonetto. Il est là mon fils. Il sait. Et bien sûr il parle français. Machallah. Ce qu'on va faire c'est que... D'ailleurs on va voir un petit peu chez les jeunes, il n'y a pas un petit crack? Oh il y a un gardien, qu'est-ce qu'il fout là le gardien? Il y a un brésilien là. Car au-dessus de l'âge, au lieu il faut le mettre en une déjà. Il n'y a rien à foutre ici. Gardien, il y a deux gardiens, donc c'est parfait. Lui sera titulaire déjà. On va regarder, donc on va partir déjà sur une tactique. Par la tactique de Sedan. La tactique de Sedan. Voilà, déjà, boum, on part là-dessus. D'accord? Alors, étrangers, les amis. Pas plus de 3 étrangers ne peuvent être... Ah, sur le terrain, d'accord, sur le terrain. Ok.
sur le terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est que là déjà, nous, il nous faut 4 buteurs. Les deux là, ils ont jamais joué. C'est les moins forts. U21, on a nos 4 buteurs. À gauche, c'est bon. Ah ouais, c'est les deux seuls MOD, incroyable. Ah putain, faut les laisser du coup. Ouais, non, faut les laisser en fait. Putain, à droite, il y a deux petits jeunes là. Bah écoutez, on va les laisser pour l'instant. On a 22 joueurs, voilà. On a nos 22 joueurs. En amateur, on a les recrues gratuites. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a les recrues gratuites en amateur. On va checker de suite. Ton fiston, tu le peux jouer. Mon fiston, Ah mais pour l'instant, frérot, il a pas le niveau. Hein. Sachant que c'est un potentiel ouvrier. Est-ce qu'on peut le prêter? Ah non, on peut pas le prêter, on est amateur. On est amateur. Ah mais ils ont un championnat. Ah, incroyable. Ils ont un championnat, les amis, là-bas. Les jeunes. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir prendre en compte le championnat pour l'évolution. Pour l'instant, il a 6,70. Putain, c'est le meilleur jeune, les amis. Sans faire exprès, c'est le meilleur jeune. Mon gardien, il part. Comment ça, il part, mon gardien? Ah oui, il part. Donc, faut un gardien direct. Après, il part en... Ah, il part dans 2 semaines, ouais. Le gardien, on va prendre le meilleur gardien. Il y a 2 gardiens, là. Il y a lui qui est libre. Mohamed Al-Ali. 3 étoiles, on le prend direct. Parce que, pour rappel, si on descend, on n'a pas démissionné si on a joué moins de la moitié des matchs de la saison. Ah ouais, c'est vrai. Donc, si on descend, on sera en 3ème div. Et vu qu'on n'est pas à 50%, on pourra rester. À part si le club nous vire. C'est vrai, bien vu, CDJ, c'est la règle. Vu qu'on n'a pas beaucoup de matchs, en fait, pour faire voir ses preuves, même si on descend, on peut rester au club. On doit rester au club, à part si on se fait virer. Le club a été fondé à l'origine sous le nom d'Al-Sahel et avait établi des opérations à Ajman. C'est un Canadien, membre de la famille royale, qui a créé le club, d'accord. Regarde le proprio du club sur Google. Propriétaire. Le jeune multinational start-up québécoise. Ah, mais c'est un Québécois. Laval, si je dis pas de conneries, c'est une ville au Canada. Les amis, incroyable. Laval, c'est une ville au Canada. Oh, mais c'est une folie, c'est une folie sans nom. Incroyable. Ça veut dire qu'on est lié. Oh, pour le RP, faudrait qu'on soit affilié au Montréal. Incroyable. Du coup, c'est RP qui choisit un coach français, putain. Là, je suis hypé pour faire de ce club le plus grand club du monde. Je suis hype. Ils ont Twitter en plus. Ils ont Twitter. Oh, mais comme je m'abonne sec. Gourmanding Québec. Je réapplaudis. Bonjour, merveilleux hiver québécois en plus. Putain, mais je... Hop, on fera le petit vestiaire parce qu'on a toujours ce dent. Hein. On fera le petit vestiaire, les amis. Le mec a failli racheter Liverpool, incroyable. Ouais, des objectifs réalistes. Le maintien. Le maintien, puis l'année prochaine, faudra faire mieux. L'objectif, c'est ça de cette partie Globetrotter. Hein. Toujours faire mieux. Sinon, on est obligé de partir du club. Si on fait pas mieux et on gagne une coupe nationale, ça fait office d'humilité, donc on peut rester. Mais et si on gagne tout, c'est-à-dire si on gagne la première div et la coupe, on peut partir aussi. Bon choix d'équipe, coach. Merci, mon petit panda. Merci beaucoup. Merci à la frangine de Pôle emploi. Merci, hein. Franchement, tu gères.